Est-ce que ça t'est déjà arrivé de créer un programme, le suivre pendant quelques semaines et te rendre compte qu'il t'apporte aucun résultat? Ton total n'a pas bougé, tu t'es pas amélioré techniquement, t'as pas pris un seul gramme de masse musculaire. Je m'appelle Guillaume, j'ai 4 ans d'expérience en bodybuilding, j'entame ma deuxième année de powerlifting et aujourd'hui je vais t'expliquer comment programmer de manière efficace. Mais avant, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rater aucune de mes futures vidéos, à me dire en commentaire le sujet dont tu veux que je parle dans ma prochaine vidéo. Sans plus tarder, je vais t'expliquer comment programmer efficacement. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment effectuer une bonne programmation. Pour une bonne programmation, il y a 5 points essentiels. Le premier, ça va être la fréquence d'entraînement à utiliser sur chacun de tes mouvements de compétition. Le second, c'est l'importance du nombre de séries et de répétitions en fonction du bloc dans lequel tu te situes. Le troisième, c'est l'importance des deloads. Le quatrième, l'importance des variations à utiliser durant les blocs. Et le cinquième, c'est les formats de progression à utiliser. Pour ce qui est de la fréquence d'entraînement, je te recommande réellement de ne pas dépasser par semaine 3 entraînements pour le squat et le bench et 2 entraînements pour le deadlift. Ça te permettra de réduire au maximum ton risque de blessure sans pour autant te désentraîner et en augmentant tes performances le plus vite possible. Pour faire simple, dans une bonne programmation, tu as généralement 3 blocs. Un premier bloc d'hypertrophie qui a pour objectif d'augmenter ta masse musculaire. Un second bloc de force qui a pour objectif d'améliorer ta technique et habituer ton corps à des charges plus lourdes. Un troisième bloc de picking qui a pour objectif d'habituer ton corps à des charges très lourdes. Souvent, tu feras des séries de 6 à 20 reps dans les blocs d'hypertrophie, de 3 à 6 reps dans les blocs de force et de 1 à 3 reps dans les blocs de picking. Pour ce qui est du nombre de séries, c'est très personnel, mais une bonne règle à suivre, c'est entre 15 et 25 reps pour un bloc hypertrophie, entre 10 et 15 reps pour un bloc de force, et entre 5 et 10 reps pour un bloc de picking. C'est primordial que tu prennes une semaine de deload à la fin de chacun de tes blocs. Un deload, il a pour objectif de drop l'intégralité de la fatigue que tu as accumulée dans le bloc précédent et te mettre dans les meilleures conditions pour commencer le suivant. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un deload? Le deload, en fait, c'est tout simplement une réduction très importante du volume d'entraînement d'une semaine à l'autre. Par exemple, si tu faisais un 5x5 à 80% de ton max la semaine d'avant, là, tu vas peut-être faire un 3x5 à 40% de ton max. Ça ne doit pas être plus compliqué qu'un échauffement, c'est uniquement pour conserver ta technique et réellement en fait réduire ta fatigue au maximum. Donc à quel moment tu ne dois forcer pendant cette période-là. Maintenant, on va parler des variations. Donc déjà, qu'est-ce que j'entends par variation? Une variation, c'est une alternative au mouvement de compétition qui va cibler de manière plus spécifique soit un muscle, soit une partie de ce mouvement de compétition, de manière à réellement cibler les points faibles sur ce mouvement. Par exemple, un squat barre haute va davantage mettre l'accent sur les quadriceps, parce que tu vas davantage devoir te tenir droit, et tes genoux vont davantage partir vers l'avant, ce qui va créer un étirement plus important sur ton quadriceps. Utiliser des variations, c'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé, parce que ça va te permettre de renforcer la partie du mouvement dans lequel tu as le plus de difficultés et donc augmenter de suite par corrélation ton mouvement de compétition. Par exemple, si tu as du mal à verrouiller ton deadlift, ça peut être super intéressant pour toi d'intégrer du deadlift avec bande. Ça va te permettre d'augmenter la tension au fur et à mesure de ta rep et donc te rendre meilleur sur ton mouvement de compétition. Pour finir, on va parler des formats de progression. Un format de progression, c'est tout simplement l'augmentation des performances de semaine en semaine. Donc si tu mets aucun format de progression dans ton entraînement, tu feras exactement le même entraînement pour le restant de ta vie. Donc évidemment, c'est pas ce que tu veux, donc il y a 3 façons principales de progresser. Donc tu as l'augmentation des reps, l'augmentation des séries ou l'augmentation du poids, de l'intensité. Personnellement, je te recommande surtout d'utiliser les 2 derniers parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à mettre en application en powerlifting. Pour te donner un exemple, imaginons que tu commences la première semaine en faisant un 3x8 au squat. Si tu es en bloc d'hypertrophie par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de garder la même charge et de passer un 4x8, puis un 5x8, et peut-être après repasser sur un 3x8 avec 5 kg de plus par exemple. Dans le cas où tu augmentes la charge, tu vas commencer avec un 3x8, imaginons à 100 kg, la semaine d'après tu mets 102,5, la semaine après 105 kg, etc. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc si elle t'a aidé, n'hésite surtout pas à lâcher un like, à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.